légitime, puisque chacun pouvait présenter sa candidature. Mais moi, je respecte toutes les candidatures, a fortiori si Martine Aubry en décidait de la première secrétaire. Ce qui compte, c'est d'avoir, là, dans cette rencontre de la primaire, la confiance des électeurs. Il faut la créer. Et moi, je ne veux pas me laisser distraire par des compétitions. Je n'ai comme adversaire que la droite et l'extrême droite. Et comme souci, que la France. Et est-ce que c'est justement à la droite que vous pensez quand vous dites « je veux instaurer une présidence normale » Je ne pense pas à la droite, je pense au président actuel. Je considère que ce que nous vivons depuis 2007 n'est pas normal. L'exercice du pouvoir, c'est légitime. Quand on a reçu du suffrage universel le mandat pour agir, il faut exercer ses fonctions. En revanche, la confiscation du pouvoir n'est pas acceptable. Certains disent qu'être président, c'est toujours être dans une position, j'allais dire, anormale. Il faut avoir des qualités exceptionnelles une minute, ça va pour être président. Allez. Mais il faut les mettre...